Louis Alliot est un terrain conquis. Ici, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, Marine Le Pen est arrivée en tête aux deux tours de la présidentielle. Et c'est dans cette seconde circonscription des Pyrénées-Orientales, où Louis Alliot se présente, que le Front National a fait son plus haut score de la région Occitanie. Le conjoint de la présidente du FN part donc confiant. La grande énigme, c'est le score que réalisera une candidate qui n'est pas très connue localement, on va dire entre guillemets, hein, mais qui bénéficie, comme en France, dans toute la France, qu'on pourrait dire, de l'avantage d'appartenir et d'avoir le soutien de M. Macron. Donc on verra bien, mais je ne suis pas plus inquiet que cela sur le résultat, en tout cas du premier tour. Bonjour madame, pour les élections avec Emmanuel Macron. D'accord, merci. Allez, bonne la candidate d'En Marche, elle, a bien conscience du basculement de son département vers le Front National depuis plusieurs années et tente de comprendre le choix des électeurs. Dans notre circonscription, on a des territoires ruraux dans les Fenouillettes qui se sentent pour certains mis de côté, exclus de ce qui est la réussite du pays. Et puis on a sur la côte, et en Salanque en particulier, un monde agricole par exemple qui connaît de très très grandes difficultés, on le voit encore aujourd'hui sur la crise de l'abricot, et pour lesquels il va falloir qu'on ait une véritable efficacité. Dans les Pyrénées-Orientales, lors de la présidentielle, la France insoumise est arrivée en deuxième position après le Front National, mais devant La République En Marche. La candidate espère aujourd'hui convaincre des électeurs du FN. Donc ça nous permet quand même d'être optimiste. Ce qu'il y a, c'est bon, il faut convaincre ces gens, ces militants de base qui sont dans l'erreur, quoi. Ils sont dans l'erreur, ils ne se rendent pas compte où ils vont. Le candidat LR sortant, en poste depuis 2010, critique, comme les autres candidats, l'absentéisme de Louis Alliot à Perpignan. C'est les électeurs qui feront la différence. Ils choisiront quelqu'un de terrain qui n'est pas parachuté. Moi, je n'habite pas Paris, je ne suis pas issu de Paris. J'ai exercé 50 ans mon métier. Je suis né, dans mon département, dans ma ville. Candidat depuis 2002 aux législatives dans les Pyrénées-Orientales, Louis Alliot espère cette fois-ci imiter Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen, seuls députés du Rassemblement Bleu Marine, élus en 2012.